La famille, n'oubliez pas de vous abonner et de liker l'épisode, c'est très important. J'ai une bonne nouvelle la famille, j'ai ouvert ma deuxième chaîne YouTube pour vous mettre une nouvelle mini-série dessus. Donc allez vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, bon visionnage. La voilà ta surprise. Ça y est, je les ai localisés. Tu vas me suivre au Maroc. C'est Julie. Moi c'est tes gosses que je veux buter. Elle a été enlevée. Alors actuellement, on n'a plus Aiden. Alors, t'as dit quoi? On n'a plus Ali. Je t'ai dit, il est pas là, c'est tout. Mais vas-y, j'ai dû casser ma puce. C'est-à-dire, Julie, aucune nouvelle. Peut-être qu'il a changé, je sais pas, pour une zone de sécurité, parce qu'Aiden l'a recherché là, frérot. Julie, t'inquiète pas, j'ai géré. Elle est au Maroc. T'inquiète pas, ça va bien se passer, gros. Fox, il est mort. Mais là, ils sont là, ils sont en train de prendre un train d'avance. Et l'autre, il est là, il a l'adresse. On la récupère et on les devance. Attends. Mais si c'est arrêté ce trou du cul. C'est pas Nawar, là? Là, on va se taper rouge. Vas-y. Gaz et Angelo sont en train de me poursuivre. Vas-y, bombarde. C'est devenu le plus tôt possible. Je suis là pour le paper, je donne plus de sentiments. Je remplace mes battements par un pacemaker. Bah ouais, je suis mauvais, bah ouais, je suis toxique. Méchant veut de l'argent, gros cul veut mon cœur. Je suis là pour le paper. Je t'avais dit. Elle est où la tchop? Elle est juste là-bas, t'as oublié ou quoi? Non, j'ai pas oublié. Je peux arriver à tout moment là, il faut qu'on bombarde. Viens, Smith. Ça me dit que c'est où là? Ça me dit que c'est là. Frère, on est où encore? Téma, y'a un bateau au milieu de la route. Ça c'est le mien, ça. Il est en réparation vite fait. Ah parce que c'est le moment de faire des blagues là. Frère, on est en train de chercher Aiden. On allait dans une ferme, y'a avec des poules, des coqs, des Pokémon. Là on arrive ici, y'a un bateau au milieu de la route. C'est quoi la prochaine étape? Une soucoupe volante. Vas-y toi. Frère, là, s'il est pas là, on fait quoi? C'est pas. C'est Aiden là-bas. Je crois que c'est lui, moi. Aiden avec le dé. Aiden! Je rêve ou c'est eux qui sont en train d'arriver là? Oh! Oh! Vas-y, viens, Bouba! Putain, les fils de pute, ils sont là. Bobby, tu fais quoi ici là? Il est où Hassan? Salut, ça va? Merci d'être venu me chercher, non?
Ouais, ça va, mais Léo Hassan. Pose pas de questions, monte. Comment ça, pose pas de questions, monte? Je viens d'arriver, j'ai le droit de savoir, non? Si tu veux savoir, il a eu des galères, c'est bon? Mais des galères de quoi? Il a récupéré Aiden hier, non? Justement, il l'a pas récupéré, c'est bon? Comment ça, il l'a pas récupéré? Waouh, me dis pas que Fox nous a douillé. C'est pas Fox. C'est qui alors? C'est le dé, bref, on s'en fout, vas-y, monte, on se bat. C'est bon, tranquille, calme-toi. Le dé, il est au Maroc. Oui, il est venu au Maroc. Mais du coup, il est où, Hassan? Hassan, il a pas pu venir, dû à ses galères, il a dû se déplacer. Du coup, on va le rejoindre aussi. Vas-y, monte, c'est bon, c'est carré. Vas-y. Et ma valise? Mais il est sérieux, lui? Obligée de tout faire toute seule. Vas-y, speed, là. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ça va, t'es bien, non? Tu manges bien. C'est le luxe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quelque chose? Je vais te laisser parler. Mais je te préviens, ouvre ta gueule, tu vas l'en manger, celle-là. Tu captes? Thank you.
comment ils vont? De qui tu parles? La petite essouffle. Toi aussi, je comprends bien. T'es attaché dans une cave au fin fond du Maroc. Et la seule chose que tu me demandes, c'est comment vont les autres. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Parce que si ça foire, tu vas payer. Tu vas payer de ta vie. T'as peur? T'as bien raison d'avoir peur. C'est du comme ref. Bien. Ça va passer? Ouais, ça va. Ça va? Ça va et toi? Vas-y, je vais vous laisser. Pourquoi? Parce que j'ai des trucs à faire. Tu peux rester, frérot? Non, non, tranquille, j'ai des trucs à faire. Ok. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Ça va. Vous avez fait du paintball dans l'avion? Du paintball. Je sais pas, tu me fais la militaire ici. Pourquoi t'es en 14-18? 14-18? Mais c'est du M. Si, je te jure, regarde, c'est du M. Ah ouais. Putain. Viens t'asseoir. Bon. Je suppose qu'Obi t'a expliqué un petit peu, non? Ouais. Obi m'a expliqué. Donc t'as capté aussi que c'est la merde ici? Ouais. Et toi en France, c'est comment? Bah moi, Gaz et Angelo, ils m'ont suivi. Franchement, j'ai eu grave peur sur le coup. Je te cache pas. Ouais, normal. Ah, ça devient de plus en plus dur. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Je me répète, faut pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. Mais la tête d'homme, ça devient de plus en plus difficile. Non, faut pas baisser les bras. On va retrouver Aiden. Même si ça met du temps, on va y arriver. Fais-moi confiance. Ok? Tout va bien se passer. Ouais. Ouais. Angelo, gaz. J'ai pas pu vous tenir au courant. Ça y est, là, je suis branché. On est au Maroc. On vient de gérer ce qu'ils ont merdé les autres, là. C'est-à-dire que c'est à vous de gérer en France. C'est bon? Vas-y, on s'y en joue. C'est bon? T'as vu avec Angelo et gaz? Ouais, c'est bon, c'est carré. Du coup, maintenant, c'est comment? Maintenant, on va leur faire un pressing fort. On les lâche plus. Faut qu'ils soient débordés mentalement. Bah, ils sont sous pression là, de toute façon. On a leur famille, ça veut dire qu'ils ont plus le choix. Il va ralasse fort. T'inquiète même pas. Bref, vas-y, j'ai les crocs, viens, on se casse. C'est calme depuis qu'ils sont tous partis au Maroc. Hein. De ouf. Y a plus rien à faire là. Tu crois, toi? Pourquoi tu penses à quoi là? T'as vu le Hills? Où ça, le barbeur Hassan là? Exactement. T'es chaud.
Moi, je pense qu'il y a vraiment un cutter à gratter là-bas. C'est comment? Tu veux qu'on y va, là? Vas-y, viens, on va casser un tour. Vas-y. Ouais, allô? Ouais, souffle, c'est ça? Ouais, c'est qui là? Là, on s'en bat les couilles de c'est qui. Sache juste que c'est moi qui a ta femme. Comment ça, c'est toi qui a ma femme? Elle est où? Ah, tu veux savoir, elle est où, hein? Elle est au Maroc. Comment ça, elle est au Maroc? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qu'elle fout au Maroc? Écoute-moi bien. Si tu veux la récupérer, tu viens au Maroc et tu payes. Paye, fils de pute. Comment ça paye? Comment ça paye? Putain, il a raccroché le patin. Putain. Ok, attends, bouge pas, frérot. Je m'assois. Dis-moi tout, mon ref. Bon, comme tu sais, Julie, elle a été kidnappée, ça tu sais, t'es déjà au courant. Ouais. Maintenant, il y a un truc que tu sais pas, que je viens d'apprendre là. C'est pour ça que je t'appelle. C'est que, apparemment, là, elle sera au Maroc. Hein? Comment ça, elle sera au Maroc? Comment c'est possible? Bah, je viens de l'apprendre, elle est au Maroc. Il a dû la menacer, il lui a dit vas-y tu viens au Maroc, tu me suis et là je viens, c'est pour ça que je t'appelle, là. C'est pour ça, là je viens de la prendre, là elle est au bled, elle est même plus en France. Donc là t'es en train de me dire que le D il a embarqué Julie jusqu'au Maroc? Mais c'est quel type d'enlèvement ça? Mais comment elle a fait? Comment ils ont fait, frère? Elle est à l'aéroport, il y a des ch'tards partout, il y a des keufs. Tu connais très bien, tu sais très bien comment il est le D, tu sais très bien comment il fonctionne. Il a dû la menacer, il lui a dit voilà si tu me suis pas, je fais du mal à ta petite, je fais du mal à ton mari, je brûle ta maison, voilà, tu connais Julie. Moi, elle va jamais prendre le risque qu'il m'arrive un truc, qu'il arrive un truc à la petite. Donc elle l'a suivi, elle a rien dit, c'est toi, elle a fermé sa gueule devant les keufs, elle a rien dit. Voilà, c'est ça, elle l'a forcé, frère, elle l'a forcé. J'ai capté. Putain, c'est la merde dans tous les sens, là. Mais voilà, je le savais, je vais te dire un truc. Voilà, ce serait te mentir si je te disais que je savais pas qu'une dinguerie allait m'arriver. Regarde, ils t'ont eu toi, ensuite ils ont attaqué Obi. Maintenant, il m'attaque moi. J'étais le seul qui restait, frérot. C'était sûr. Moi, dans ma tête, à un moment donné, je me disais, c'est quand que moi, il va m'arriver aussi une dinguerie, parce que c'était obligé que ça arrive. Là, c'était obligé. Ah, là, c'est la merde dans tous les sens, frère. Il y a trop de problèmes à régler. Trop de trucs à gérer. C'est pour ça que je t'appelais, frérot. T'as vu, je veux pas te déranger, mais là, je peux pas rester en France, sachant que ma meuf est au Maroc, tu vois. Non, normal. Donc, si ça te dérange pas, t'as vu, de m'accueillir un petit peu. Mais frère, t'es un ouf ou quoi? Mais bien sûr, viens au Maroc, frère. Prends le premier vol, je t'attends. On va régler ça, t'inquiète pas qu'on va se les faire, frérot. Ça peut pas continuer comme ça, là. C'est en train de nous faire trop de dingueries, là. Donc écoute, frérot, prends ton vol, envoie-moi à quelle heure t'arrives et je te récupère. Vas-y, frérot, c'est quoi, là, je fonce chez moi, là, je suis en voiture, je fonce à la maison, je fais ma première valise direct et je prends le premier vol pour Marrakech. Dès que je suis là, je t'envoie un message. Vas-y, pas de soucis, je suis là, frérot, je suis branché. C'est bon, tiens, courant. Vas-y, t'inquiète pas, frérot, je suis là pour Watt. On est tous là pour Watt. Merci, frérot. Vas-y, mon ref. Vas-y, tiens, courant. Vas-y. Salam, frérot. Comme salam. C'est quand que ça va s'arrêter tout ça? Ah, c'est une dingue.
Ah, allô, Baba, ça va? Ça va, là, je suis cool, ouais. Je suis toujours au Maroc, ouais. Ça va mieux, toi? Ali, il est avec toi ou pas? Tu peux me le passer, s'il te plaît? Ouais, petit frère. Ça va ou quoi? Je stream paper. Ça va mieux, hein? T'inquiète pas, dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, je viens. Je vais venir en Turquie bientôt, Inch'Allah. Tu vas te faire des nouvelles connaissances, t'inquiète pas. Inch'Allah, ça va aller. Annel va bien. C'est le principal. Passe le salam à tout le monde. On va se voir bientôt, Inch'Allah. Allez, Kandine Ibak, Ebtoum. Bisous, petit frère. À bientôt. Bonjour. Bonjour. T'avais réservé? Non, même pas, hein, tu connais. Ok, je vous laisse vous installer. Ça te dérange pas, on fait un petit tour avant? Pas mal le salon, franchement. Allez-y, y'a pas de soucis. Vas-y, merci. Moi j'ai pris quoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ça? Ça sent trop bon. Eh, on n'est pas venu là pour de la scie ou je sais pas quoi, on est là pour les tales. Eh frère, je suis pas dans le salon de ton cousin. T'as si je veux prendre ça, je le prends. Eh, écoute-moi bien, on est là pour la caisse. On s'en bat les couilles du reste. Eh, la caisse, t'inquiète même pas. On va l'avoir. Et Farouk là, on va se le faire. J'espère bien. Ouais. Alors, t'as eu Ali? Je l'ai eu au hôtel, ouais. Ok, ça va? Ça va le faire avec le temps. Ok, pas trop dépassé par les événements, non? Non, tranquille. Ok. Souffre, c'est comment? Ah, par contre, Souffre, frérot, il est débordé. Hein. Gars, sa femme, elle était kidnappée devant lui. Il se retrouve seul avec sa fille. Ah, on est débordé de problèmes, frérot. Il y a trop de trucs à gérer. Et le pire, c'est que c'est pas tout. Y'a quoi? Julie. Elle est au Maroc. Comment ça? Ah, je sais pas quoi te dire. C'est le dé. Ah, le fils de pute. Ouais. Elle a dû flipper, elle a dû venir, c'est tout. Bah quoi? Toujours à tirer la gueule. Toi, Aiden, c'est bon, ils vont te le rendre, ils ont besoin de l'argent, donc ils vont rien lui faire. Détends-toi. Et toi, là, Ali, on l'a récupéré, pourquoi tu tires la gueule, en fait? Je comprends pas. Il veut quoi le bubblegum, SB? La panthère rose. Flagados. Majin Buu. Métamorphe. Temal Kashir. En fait, toute votre vie, vous allez me tailler, vous n'en avez pas marre. Venez, on sort, là, j'en ai marre de rester ici. Allez! Tu veux sortir où? Je sais pas. Vas-y, je mets un pull, on y va. Toi aussi. On va prendre l'air, non? Allez, viens! Vas-y, toi. Allez, viens! Je m'en fiche avec un cachet, genre.
Hanout en face. Je vais m'arrêter. Tu veux quelque chose? Non, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut, moi. Ah, c'est ce qu'il faut. Par contre, si tu veux pas que la Julie et le Kosikan, c'est à eux qu'il faut prendre un truc. Je m'en bats les couilles. Ah, vas-y, comme tu veux, gros. Juste dépêche-toi, s'il te plaît, je suis chaos, hein, merde. Vas-y, vas-y, j'y vais. Ça fait-tu bien de sortir les mecs, non? Vas-y, que tu me racontes, tu cailles, y'a personne. On aurait dû rester à la maison. Allez, arrête de faire le mec aigri, là. Au but, tu voulais sortir, non? Ouais, avec le hoche. Pourquoi tu me tiens, toi? Elle kiffe, Zinx. Mais vas-y, toi, j'ai le droit de tenir mon pote. Mon pote? Les gars, attendez, je voulais partir au Hanout, venez avec moi. Je vais prendre des gâteaux. On y va? Non. Pourquoi? Allez, venez. Non, j'ai pas envie, vas-y, toute seule. Mais pourquoi? Mais vas-y, il est juste là. Mais je vais pas aller toute seule, quand même. Écoute, Nawar, le Hanout qu'il y a derrière, là. C'est le Hanout, Aiden, il s'est fait kidnapper. Ah. Je savais pas. Maintenant, tu sais. Bah, attendez-moi dans la voiture. J'y vais. Vas-y, où vous en prie. Comment toi et Nawa? Comment ça, c'est comment? Frérot, t'as pas l'habitude de ramener des meufs ici. Ouais, mais là, c'était un cas d'extrême urgence, frère. Elle était en danger en France. Gaz, gaz, Angelo. Et ils étaient sur ses coups de fort. J'allais quand même pas la laisser tomber. Tu captes? Ouais. Mais pourquoi tu tiens ton LED? Eh, vas-y, tu vas emmener où, frère? Parle français. Arrête de me prendre pour un con, je sais très bien qu'il va se passer un truc entre vous. Bah, s'il devait se passer un truc, il serait passé un truc il y a bien longtemps, moi. Et même, de toute façon, là, c'est pas le moment. Trop de problèmes. Bien, on va se concentrer, moi, c'est mieux. Sentiment, je remplace mes battements par un pacemaker. Bah ouais, je suis mort.
suis toxique, mais j'en veux de l'argent, croque veut voir.